ça, l'Internet. C'est Kamoff. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et j'espère que la vidéo pour les 500 000 abonnés vous a plu. On m'a promis, on m'a menti, j'ai vu la folie. Et en plus de ça, j'ai mal au dos, j'ai des cernes, y a des échos qui disent que je vais perdre. Je vous invite à aller dans la description et à cliquer sur le lien pour justement voir la surprise qu'on vous a fait pour les 500 000 abonnés. On va parler de Prono Dreams. Alors, qui est Prono Dreams? C'est un pronostiqueur qui habite en Thaïlande et qui a fait fortune grâce au pari sportif. C'est même Trillionaire Prono qui me l'a présenté et je l'ai validé. Et aujourd'hui, je vous invite fortement à le rajouter. Pour comprendre qui est Prono Dreams et pour que vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi, voici une vidéo. Alors, je me présente, je suis parieur pro en Thaïlande et ça, c'est chez moi à Bangkok. Cette semaine, en story, on a fait du 29 000 euros de gains. Je peux vous montrer ici, c'est pas du fake. Pour ce week-end, je vais mettre une énorme mise de 15 000 euros en story, 100% gratuitement en story. Alors, rajoute-moi et viens encaisser avec nous. Voilà les amis, allons directement au but de cette vidéo. Il y a quelques jours, une dame nous a contacté sur Facebook pour nous dire qu'elle avait aperçu un enfant, un bébé, dans une voiture enfermée en plein soleil. C'était sur Marseille et nous avons bien évidemment demandé l'adresse à cette dame qui nous l'a de suite donnée. Nous sommes de suite venus en aide à ce pauvre enfant et ce que vous allez voir par la suite est vraiment, vraiment, vraiment sorti de tout contexte. On se retrouve à la fin pour une conclusion. En attendant, bon visionnage et à tout à l'heure. Ciao. Voilà les amis, j'ai réuni toute l'équipe en urgence. Donc il y a Soso, Bâtard, Eji que vous avez déjà vu dans une vidéo, dans la vidéo du cercueil où on déterre le cercueil, tout ça, vous l'avez vu pendant 3 épisodes. Une dame s'est rendue compte qu'il y avait un enfant dans une voiture depuis plus d'une demi-heure. C'est que cette dame nous a appelé, nous a donné le lieu, nous a donné la plaque d'immatriculation de la voiture ainsi que le modèle. On va aller sur place. La dame veut rester anonyme parce qu'elle ne veut pas se montrer et elle ne veut pas avoir de problème, ce que je comprends entièrement. Il fait chaud, on est en plein été, les vitres sont fermées et nous, on va vite aller à la voiture pour voir ce qu'on peut faire et pour voir si vraiment le petit n'est pas abandonné. La voiture rouge C1, c'est celle-là, hein. Il n'y en a pas 50. Ouais, 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 il est là, il est là. Il y a un petit? Ouais. Ah, ouais. Tu le vois à la caméra? Ouais, il est réveillé, moi. Il est réveillé en plus? Ouais, je sais pas. Si, c'est ouvert, c'est ouvert. C'est ouvert, frérot. Il y a un le sort de là. Le sort. Ouais, non, ça il fait chaud. Ouais, là, il est en train de dégueuler. Il y a une bouteille de rosé là. Une bouteille de rosé? Ouais. Mais non. Là, comme ça? Ouais, bon, vas-y, prends ça. C'est quoi, c'est un alcool? Elle est entamée en plus, c'est ça. Ouais, ouais, ça veut dire que le mec il. T'as une ampégué, frérot. Viens, on prend le petit, ouais. On s'arrache. Comment ça s'enlève ça? Je connais rien. Bon, attends, il y a un truc là. C'est ouais. Bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tiens, Eji, tu sens le prendre. On s'arrache, allez, gars. On s'arrache, le petit, il a rien à faire là. Là, ils sont ouverts, le magasin. Ils sont ouverts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il est allé faire ses courses. Ou la femme est partie. Ou la femme, je sais pas. Et, en gros, elle a laissé le petit dans la voiture. Normal, tout seul. La mais n'importe quel gars il passe, il peut le kidnapper. Mais c'est, qu'est-ce qu'on vient de faire, gros? Au final, il y a deux dangers. Non seulement les vitres sont fermées, il fait chaud. Deuxième danger, c'est que n'importe qui arrive, ouvre la voiture, part avec le petit. Tu sais ce qu'on peut faire pour lui donner une leçon à lui? Quoi? Ce qu'on fait, on prend le petit. On se cache pas loin. Voilà, on le met à l'ombre et tout, on se cache pas loin. Et on va lui faire croire que le petit s'est fait kidnapper. Comme ça, au moins, tu vois, ça lui donne une bonne leçon, il se chie dessus une bonne fois pour toutes. Et la prochaine fois, il le laissera pas comme ça. Si la personne met trop de temps à sortir, bien entendu, on le prendra avec nous et on ira au commissariat ou oui au commissariat sûrement. Si le mec sort à ce moment là on lui rendra le petit, mais j'aimerais bien qu'il ait une frayeur parce qu'on laisse pas un enfant dans une voiture pendant plus d'une demi-heure, même que c'est à l'ombre, enfin je veux dire il peut arriver tout et n'importe quoi. Je vais marquer mon numéro de téléphone sur un papier et je vais mettre ce papier dans la voiture pour que quand la personne arrive dans la voiture et voit qu'il n'y a plus son enfant, il peut nous appeler et là on lui fera croire qu'on a son enfant en otage et on va lui demander une rançon pour justement voir sa réaction et vraiment pousser le truc jusqu'au bout pour qu'il ait vraiment peur. La bouteille est fraîche, donc c'est quelqu'un qui l'a sorti du frigo il n'y a pas longtemps et qui a apparemment boit au volant avec un enfant à bord. Là, je vais marquer mon numéro et on va le poser dans sa voiture. Donc voilà, j'ai marqué mon numéro, j'ai marqué « on a votre enfant ». Non, regarde, je vais le mettre encore mieux. Il est obligé de le voir.
Bon, il est obligé de le voir là. Sur le compteur, gros. C'est un réflexe, tu es obligé de regarder le compteur quand tu ouvres, tu vois. Si on voit quelque chose de suspect, si on voit quelqu'un aller dans la voiture, on se remet à filmer aussitôt. Là le mec il est monté dans sa voiture, on va attendre qu'il nous appelle. On s'est mis dans la voiture pour faire cramer parce que sinon il va s'en rendre compte. Si il appelle pas c'est qu'il se taille, soit la tête en l'air ou bas les couilles. Toi il cherche. Il cherche. Il cherche, il cherche. Ah ouais. Il cherche quoi dans la voiture? Cherche, il cherche quoi? Il cherche partout. Aïe. Oui. Ah c'est bien. Allô. Allô. Oui. Allô. Oui. Vous êtes qui? Ben on est personne. J'ai retrouvé votre numéro dans ma voiture et on m'a piqué mes courses, là il me manque ma bouteille. Il te manque quoi? Il me manque ma bouteille. La bouteille de quelle bouteille? Ma bouteille, mais qu'est-ce que vous voulez faire dans ma voiture pour ma bouteille d'alcool? Ah mais il manque pas autre chose que ta bouteille? Non, il me manque ma bouteille. Ah, mec. T'es sûr? Ah. Lis le papier au moins, déjà. Lis le papier. Oh, tu as me payé ou quoi? Lis le papier déjà. Ah, est-ce qu'il te manque pas ton enfant aussi? Ouais, j'ai pas vu. Et moi, je veux te prendre dans ma bouteille, là. Son bas, c'est... Allô? Ouais. Aidez-le, wesh. Tu veux ta bouteille? Je veux la bouteille. Et le petit, tu veux pas le petit? Tu veux pas récupérer ton fils? Je m'en bats les couilles, je demande ma bouteille. Gardez-le, l'enfant, j'en ai rien à f***. Waouh, c'est pas possible. Oh, on va te demander une rançon pour la bouteille. Du coup, vu que tu t'emballes c'est mieux, la bouteille. C'est mieux. Ah, parce que nous on a ton fils là. Et on voulait tout. Regarde, je vais avoir ma bouteille. Je vais poser ma bouteille à un endroit, dis-moi un endroit, je vais récupérer ma bouteille là. Mais c'est une bouteille de vin. Est-ce que c'était ton fils qui était dans la voiture? Ouais, c'est mon fils. D'accord. Et tu préfères l'alcool à ton fils? Je m'emballe les. Mais c'est vraiment un. Combien tu donnes pour ta bouteille? Combien tu proposes? Bah sinon tu vas faire quoi? Tu gardes l'enfant, vous gardez l'enfant, faites ce que vous voulez, mettez-le là-dedans, je m'en fous, je veux ma bouteille. Vas-y bah on arrive, on va te ramener ta bouteille mec. Il y en a un qui reste avec le petit. Mmh. Hein. Et nous on lui ramène la bouteille. On va laisser le petit tout seul. Et on fait quoi? Et on fait si on ne parle plus du petit pour voir si. Si ça m'a. Pour voir si ça m'a vraiment. Parce que si ça m'a vraiment les c***, on le prend, on l'amène. Bon du coup c'est bâtard qui est resté avec le gamin. Et nous on va aller voir. Il est où? Le siège, il a allongé. Il s'est allongé. Non, frère. Non, c'est lui, c'est pas ah lui. Non, c'est sa mère. Non. Oh! Oh mon dieu. Oh, tranquille. Il y a des voitures à côté. C'est vous qui m'avez pris la bouteille. Ouais. Vous êtes ça à faire de venir chez les gens. Elle est là sa bouteille. Non, attends, on va parler sérieux. On va parler sérieux. Tu veux ta bouteille? Alors, s'il te plaît, tu as plus deux minutes, pose-toi là, je vais te parler, après je te donne ta bouteille. T'inquiète pas. Apparemment, tu as un enfant qui était à l'arrière. Ouais. Est-ce que tu es au courant que ton enfant, il était enfermé, vitre fermée, qui a laissé la voiture ouverte et que n'importe qui aurait pu le prendre? Ouais. Et ça te dérange pas? Donne-moi ma bouteille. Non, attends. S'il te plaît, je t'ai dit quoi? Laisse, s'il te plaît. Mais on s'en fout, je m'en fous. Je sais pas pourquoi tu me parles. Je m'en fous, j'ai pas de sous, il me faut ma bouteille. L'alcool, c'est pas de l'eau, hein. Maintenant, par contre, je vais pas te laisser la bouteille parce que tu vas rentrer, tu es un danger pour les gens. Là. Mais je m'en fous, on demande la bouteille. Toi, non, je t'en prie. Tu vas en battre. C'est rentré seul. Ah, allez. Rends la bouteille. Rends la bouteille. Oh, tu es malade. Oh, tu es un fou. Reste tranquille, poto. On m'appelle les pompiers, frère. Il est où ton fils? Je sais pas. C'est vous qui l'avez, non? Mais non, c'est pas nous qu'on a. Tu pars conscience, en vrai. Tu es au courant que ton fils, tu sais même pas qui c'est qu'il a? Non. Tu es marié, tu es divorcé, tu es. J'ai pas de femme. Tu as un enfant et sans femme, toi? J'ai pas de femme, j'ai pas de sous. Ah, t'as des sous pour acheter l'alcool, mais pas pour le petit? J'ai pas assez. Ah. Bon. Non, c'est... les gars, on rigole, mais c'est pas rigolo. Dans un état où tu es, tu peux pas te rendre ton gamin, c'est impossible. Je m'en bats les mon gamin, moi je veux ma bouteille là, je m'en fous.
Ouais, je vous ai demandé quelque chose, moi. Parce qu'il est conscient, les gars, malgré tout. Non, malgré tout, il est chaud, mais il est conscient. Je sais pas, ta bouteille. Écoute, c'est simple, ta bouteille, je te la donne pas. Bah, j'ai ma bouteille. Eh ben, je te la donne pas. Tu vas faire quoi? Tu t'aimes pas debout, qu'est-ce que tu vas faire? Arrête tes conneries. Bah, arrête tes conneries. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'aimes pas debout, frérot. Rends-moi ma bouteille, sinon tu vas faire quoi? Arrête tes conneries. Mais arrête tes conneries, bois de l'eau. Écoute-moi, on va faire simple. On s'arrache. Le petit, on va l'amener au commissariat si tu le veux. Tu iras le récupérer au commissariat ou la mère. Allez, on s'arrache. Y'a pas de bouteille, y'a rien du tout. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, viens, on s'arrache. Frérot. Qu'est-ce que tu veux, mec? Allez. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Venons, on s'arrache, les gars, ça va partir en c***. En vrai. Oh. Non, allez. Allez. Arrête. Non, y'a pas la bouteille, tu veux pas récupérer. Mais c'est un fou. Ah, tu en as su jusqu'à où? Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, mon pote. Allez, c'est bon, s'il te plaît. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Viens, Eddie, viens. Eddie, viens, frérot. Allez. Ah, tu m'as compris avec ta bouteille, que je t'explose par terre. Ouais, je la cache. Et si on la cache, tu vas faire quoi? Ouais, et si on la cache, tu fais quoi? Vas-y, va passer, casse-moi. Attends, je sais pas. La casse pas. Mais si on va faire quoi, je fais? La casse pas, s'il te plaît, la casse pas. Non, qu'est-ce que tu fais? Arrête de lécher le sol, il y a des verres. Arrête. Oh, c'est un fou, frère, c'est un fou. Oh, c'est un fou, il y a du verre par terre. Arrête de lécher le sol, vas-y, mais. Tu préfères ça ou ton enfant, débile? On l'avait cassé. Mais pourquoi on l'a cassé? Mais frère, t'as rendu compte de la réaction que tu as, c'est pas normal. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Mais qu'est-ce que tu as? Ma bouteille. Il pleure pour la bouteille, les gars. Il pleure pour la bouteille. C'est ton enfant, il s'en fout, mais il pleure pour la bouteille. Continue à lécher le sol, bois de l'eau et allez. Allez. Non, ben frère, ben écoute, de toute façon, je suis pas son père. Hein. Le petit, c'est une chose, lui, c'est des merdes. Hein. Et voilà. Et il lèche le sol, frère. Il lèche le sol. Vas-y, ah. Frangin, viens, on s'arrache. Frérot, arrête de le filmer, on s'en bat les. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il s'en fout de son minot. Il en a rien à foutre, mais il pleure pour la bouteille. C'est grave ou c'est moi? Oh, c'est moi ou c'est grave, frérot? Prends le petit dans ma voiture, on le met dans la tienne et on l'amène au commissariat de suite. Et bien voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai toujours le même short parce qu'on est exactement le même jour et que j'ai juste changé le t-shirt. Je ne suis pas un crasseux, j'ai juste le même short parce qu'on est le même jour. Putain, ben ouais, c'est normal, je fais une intro. Comme vous avez pu l'apercevoir dans la vidéo, nous avons pris le petit. Et pour savoir ce qui s'est passé ensuite, nous sommes allés au commissariat, nous avons remis l'enfant au commissariat. On aura des nouvelles par la suite car ce n'est pas de suite qu'on a des nouvelles et des réponses. Mais en attendant, l'enfant est entre de très bonnes mains. Pour porter notre marque de vêtements, si vous voulez porter des t-shirts, des shorts, des casquettes, si vous aimez notre marque et que vous voulez la porter pour nous faire honneur dans votre ville, n'hésitez pas à vous rendre comme d'habitude sur le site www.futuratech.com. Il y en a pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes et les frais de port sont offerts, profitez-en. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle sensibilisera un maximum de gens, un maximum de parents qui ont pour habitude de laisser leurs enfants dans les voitures. Sachez que c'est un acte irresponsable et très grave et que l'enfant peut mourir. Si vous êtes témoin d'une scène similaire à celle-ci, n'hésitez pas à appeler la police ou les pompiers qui peuvent intervenir de suite. Sinon, appelez Kamoff. Nous, on intervient cash aussi si c'est sur Marseille, y'a pas de problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Kamoff. On se retrouve mercredi prochain à 18h, comme d'habitude, pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien et faites attention à vos enfants et à vous. Ciao.